Chers téléspectateurs de 15 médias de partout dans le monde entier, bonsoir. L'association culturelle des Bamoun a organisé, n'est-ce pas, leur première convention ici même à Washington ce samedi 8 juillet 2017. Le décor planté à 20h précis dans la cadence, n'est-ce pas, de Lion Band et le rythme de Didier Olivier, le coup de rein du MC Fernan, nous allons tout simplement retenir que les Bamoun ont fait fort. Mesdames, voisins, messieurs, voici pour vous quelques minutes, n'est-ce pas, de cette fête en vidéo proposée par 15 médias. Et surtout, dans cette belle et somptueuse salle, n'est-ce pas, de Buena Vista, à Diessa. Merci une fois de plus pour votre confiance. Beaucoup de surprises au cours de cette soirée. On parle d'enfants voisins, on parle de la danse guérie, la fameuse danse guérie, avec 15 médias qui est là. Bonsoir à toi, Bruno. Et merci pour ton travail pour la communauté camerounaise. Et c'est avec cette bande qui est juste derrière moi. Pendant quelques minutes, je vous en prie, chers invités, on s'apprête à déguster de la bonne musique en live. C'est pendant la soirée des Bamoun, nulle part ailleurs. Spéciale soirée des Bamoun ici à Washington DC. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Thank you.
Cet événement qu'il a célébré du début jusqu'à la fin. Alors, mon père,
frère, comme je t'appelle toujours, tant que tu l'as dit au sorti de ce très grand événement que tu as le pas assisté ce soir. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Tu es unique en ta qualité. Ce soir, une fois de plus, j'ai eu l'opportunité d'être avec la famille, la culture camerounaise, les Bamoun. Et je suis très proche des Bamoun. Et la soirée était très bonne. Il n'y a rien que je puisse dire. C'était parfait. Tout simplement dire merci déjà de venir supporter la culture, merci déjà pour tout ce que vous faites pour la culture africaine. Je crois que les images des caisses médias ne pas un témoin qu'on vous trouve toujours partout où il y a la culture africaine. Et nous disons simplement bonne continuité de voir dans cette tendance et que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je voudrais dire que cette soirée était unique pour moi. Ce soir, on avait deux séances dans la communauté, les Sawa, mais j'ai choisi d'être avec les Bamoun pour terminer parce qu'ils sont très importants pour moi dans mon cœur. Et je remercie tout le monde qui a été là pour ce soir et j'espère qu'on pourra continuer dans cette ordre des choses pour soutenir nos communautés qui travaillent pour les citoyens qui sont au pays. On doit pouvoir les supporter, améliorer leur vie, puisqu'on a l'unique opportunité de le faire. Voilà. Donc merci beaucoup, une fois de plus. Merci et bon retour à la maison. Pas de problème. Monsieur, une fois de plus, chers téléspectateurs de Caisse Média, nous étions ici pour la célébration de toi, des fondes de Bamoun. Auprès de moi, c'est le président Baraté, il a assisté. Alors, au sorti de cet événement, vous pouvez nous donner vos impressions, s'il vous plaît. Oui, j'ai de très bonnes impressions. Nous sommes arrivés à temps, la fête s'est très bien passée, on s'est bien amusé. Et je crois que là, il est déjà presque 4h du matin, vous voyez, on rentre malgré nous. Très bonne fête et kudos à nos frères Bamoun. Merci. Merci monsieur le président et bon retour à la maison. Hein? Merci. Et dites bonjour à la famille Baraté. Si ne manquerait pas. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Caisse Média, nous étions ici ce soir. Vous célébrez ce soir la fête de Bamoun, vous célébrez la culture Bamoun. Alors auprès de moi, c'est le grand Jean-Jacques. Il était là-bas dans l'audition. Alors, on sortit de cet événement, monsieur Jean-Jacques. Quelles sont tes impressions et qu'est-ce que tu peux dire là-bas aux populations de Washington ce matin? Bon, avant de donner toute impression, je tiens d'abord à remercier tous les habitants de Washington qui ont répondu présent à la grande soirée Bamoun ce soir. Et cette marque de sympathie, cette marque d'attachement nous a beaucoup touchés en tant que Bamoun. Donc je passe par la même occasion pour dire merci à tous les frères, à toutes les soeurs Bamoun qui ont pris présent, qui ont rehaussé la fête ce soir. Donc au sorti de cette soirée, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction. Satisfaction par rapport à toutes ces femmes qui étaient belles, très bien habillées, à tous ces hommes aussi beaux et à la soirée qui a pu se dérouler normalement. Donc j'espère que d'ici peu, l'an prochain, nous allons rééditer la même chose en corrigeant toutes nos erreurs bien sûr et on dansera un peu plus. Voilà, merci monsieur Jean-Jacques et bon retour à la maison. Merci, bon retour à vous, merci à vous pour tous les services que vous nous rendez. Quel service vous avez toujours été là pour nous supporter dans la communauté. Et aujourd'hui, encore, vous avez prouvé combien de fois vous êtes là pour notre communauté. Je tiens à vous remercier, merci beaucoup pour tout votre travail, merci pour ce professionnalisme que vous faites pour nous. Tout ce décor est impeccable parce que les gens en parlent et ça c'est à noter et c'est la grande fierté dans notre communauté. Donc on ne peut pas passer d'aperçu sans mentionner cela. Et c'est une bonne chose, merci encore. Merci monsieur Jean-Jacques et bon retour à la maison. Ok, merci. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, au sorti de cet événement, je suis avec la jeune dame Pascaline qui a, célébré cet événement avec les Bamoun. Alors, en sortant d'ici ce soir, quelles sont tes impressions? Mes impressions sont tellement positives. Je suis tellement ému et je ne sais vraiment quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est merci au Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait, si Dieu pose la main dessus, ça va réussir. Merci à Dieu et merci infiniment. Pour moi, c'est un miracle parce qu'au début, les choses n'étaient pas faciles. Ça n'a pas du tout été facile, mais avec la puissance,
puissante main du Seigneur, les choses ont réussi et je dirais à 200%. On dirait alors coup de chapeau au Bamoun. Hein? Oui, on dit coup de chapeau au Bamoun. Ça, je le dis avec trop de... Je suis positive avec ce plan. Voilà, c'est vraiment gentil. Tiens, maman, Pascaline est bon retour à la maison. Merci, merci. Et je souhaite que tout le monde retourne en santé, en forme, sans problème à la maison. Que le Seigneur les garde au courant de leur chemin. Merci. Alors, mesdames et messieurs, au sortir de cet événement de Bamoun, voici un digne notable qui était là ce soir. Je vais tout simplement demander, n'est-ce pas, vos impressions à sortir de cet événement. Mais écoutez, mes impressions sont bonnes. C'est une grande première aux États-Unis pour une communauté Bamoun d'organiser une convention qui regroupe les Bamoun non seulement de Washington DC, mais aussi de Boston, de New York et de Chicago. Cette convention a commencé hier avec une table ronde autour de laquelle nous avons discuté des sujets poignants du département du Noun et du Cameroun tout entier. Je suis très reconnaissant du travail abattu par le président ainsi que son secrétaire général et tous les membres du BICAS. Et je remercie les associations sœurs qui ont supporté notre association durant cette soirée d'organisation exceptionnelle. Mes impressions sont très très bonnes. Voilà. Et dans la qualité culturelle, vous êtes satisfait? Mais écoutez, le Cameroun est un pays qui est une Afrique en miniature, riche en culture et en tradition. Et comme vous pouvez le constater, la décoration de cette salle est une peinture exacte, sinon plus ou moins correcte de la culture que nous avons au Cameroun et plus précisément dans le Noun. Je suis très très satisfait de tout le travail abattu par l'équipe technique, par l'équipe de la décoration, par l'équipe de la gastronomie aussi, parce qu'il faut l'avouer, nous avons eu un menu très apéritif, très intéressant. Voilà. Merci et bon retour à la maison. Hein. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Monsieur, bonjour, une fois de plus, c'est bienvenue sur Casmedia. Je suis ici avec Monsieur Paul, il était l'invité spécial de Bamoun. Alors, en sortie de cet événement, quelles sont vos impressions? Ah, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment extraordinaire. Une ambiance de tonnerre, le repas était très beau, les boissons bien, la danse extraordinaire. On a aussi, c'était une soirée utile, puisqu'on a aidé la cause Bamoun. Particularité de la fête selon vous? Pour moi, c'était l'introduction à la culture Bamoun et aussi aider les Bamoun au travers des donations. Voilà. On va tout simplement dire bonsoir et bon retour à la maison. Hein. Ben, bonsoir et à la prochaine. Donc. Voilà. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je suis ici avec Madame Zenabou qui a célébré le soir. C'est fort raison avec les Bamoun. En sortie de cet événement, quelles sont vos impressions? Oh, la fête était tellement belle, les gens sont venus et j'ai beaucoup apprécié le geste des uns et des autres pour le fort raison. Parce que la fête, le but c'était de nous régaler, mais à la fin on s'est retrouvés en train de faire un fort raison et les gens ont quand même contribué. Et la fête continue, vous voyez, que la danse continue. Donc, c'est réussi 100%. Et vous avez, pris les belles photos et tout, alors maintenant vous finissez. C'est la clôture de la convention des Bamoun et c'est la première fois dans l'histoire.
J'ai été président des Bambous depuis 5 ans. Cette organisation a été enregistrée comme non-profit, 501c3, et nous sommes fiers de ça. Et aujourd'hui, on a organisé une convention. Hier vendredi, nous avons eu la chance d'avoir nos frères de Chicago, Boston, Atlanta, New York. Et autour d'une table, nous avons discuté sur les problèmes d'intégration et de développement. Et nous en sommes ressortis vraiment fiers parce que nos frères et sœurs étaient dispersés. Et aujourd'hui, on a réussi à faire cette table ronde où on a discuté ces problèmes pour leur intégration ici aux États-Unis et le regard sur le développement du village, le département du Noun et du Cameroun en général. Et les débats ont été houleux sur la santé, sur les problèmes d'eau potable, l'assistance dans les hôpitaux, les villages et tout ça. Tout le monde en est ressorti fier. Aujourd'hui, on a eu des petits ratés, mais on s'est rattrapé et tout est bien. Voilà, vraiment, on est content. Donc nous disons, nous retenons simplement qu'en sortie de cet événement, vous sortez, n'est-ce pas, étant satisfait. Et que les petits qui ratés, vous allez corriger au prochain événement. Oui, bien sûr, nous en sortons vraiment satisfaits parce que nous avons eu beaucoup d'amis qui nous ont supportés dans ce fonds résine pour la réalisation d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Et nous avons lancé le message, nos amis, nos frères et sœurs dans la région de Bienville ont répondu présent. Nous leur disons grandement merci. Et s'il y a des ratés, qu'ils nous pardonnent parce que c'est la première fois. Nous sommes allés comme nouveau-nés. Parce que nous avons focalisé de l'eau pendant beaucoup d'années notre action sur la cohésion de groupe. Et cette cohésion de groupe, on voulait intégrer les uns et les autres. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons dans le groupe des médecins, des informaticiens, des businessmen et tout ça. Nous en sommes fiers. Et aujourd'hui, on a organisé une grande première et tout le monde est satisfait. Les gens m'ont appelé, ils m'ont dit vraiment, c'est une satisfaction. Et la fois prochaine, ce sera deux fois ceci. Oui. Merci Monsieur le Président et merci d'avoir fait confiance à Caisse Média. Nous allons tout simplement dire congratulations à tout le peuple bamoun et que vive la culture camerounaise et vive la culture africaine en général. Oui, merci Caisse Média. Bruno, tu fais du bon travail. Et chaque fois que je reste, je dis toujours qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à la culture et son problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent. C'est ce garçon qui regarde, il a une vision des associations africaines et camerounaises. Il se bat pour apporter sa pierre dans la construction de l'édifice. Et vraiment, je suis très satisfait de toi. Et je dis toujours, quand je parlais de 15 médias, je dis, ce garçon est extraordinaire. Il regarde, quand il discute avec toi, ce n'est pas d'abord le problème d'argent. Il veut d'abord voir si ton événement va réussir. Il te conseille, il te dit ce qu'il va faire, et il le fait, et ça réussit. Merci à Bruno et à 15 médias. Merci, monsieur, et bon retour à la maison. Ok, merci beaucoup.